Salut les amis, c'est Chess au puits, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour le sixième épisode de Vice City. J'étais à Vice City avec voilà, le premier échec de mission hier, mais à part ça, sinon, ça s'est super bien passé. On a eu un petit coup de flip avec, après la fin de la mission colère, les indices de recherche qui restait actif, mais sans mal pour un bien. Je me suis rappelé qu'il y avait cette petite planque là. On va racheter toutes les planques, hein, de toute façon, dans le jeu, pour ce let's play. Et effectivement, ça nous a permis de pouvoir continuer sans mourir. Donc toujours pas de mort. Ça ne saurait tarder. Qui me tire dessus? Ah mais attendez, faut juste m'expliquer qui me tire dessus là en fait. Mais qui me tire dessus? Sais pas, j'ai pas envie de le savoir. Là, on a le choix, comme je le disais, mais puisqu'on a terminé l'émission Bikers, donnée par Mitch Baker, oui, dont la mission colère d'ailleurs faisait partie. On va pouvoir conclure l'émission Love Peace. Donc allons-y. Commencez par ça. Promo. Tommy, man, that psycho's back. Bah non, je l'ai explosé. What's going on? That psycho won't leave Lovefist alone. You didn't kill him, man, and now he's back. Yeah. The thing is, we need someone to drive the limo we can trust, because that nutter keeps making threats. Michelle, man, I need my mom. We're all bricking ourselves, man. Okay, guys, calm down. I'll handle this. Normally, I wouldn't busy myself with driving around a bunch of drunken Scottish bisexuals, but in your case, I'll make an exception. Ouais. At last, man. Time for a well-earned drink. Are you finished just 100 yards down the road, man? Better make it a large one, then. Hey, Tommy. Change the tunes, man. I get all confused if my head's not banging. Ah, look. What's this? Hey, Tommy. Stick this tape on. Lovefist, your time polluting the airwaves is over. I gave you the chance to be friends. Ouais, d'accord. Et évidemment, il pleut hein, pour cette mission, tant qu'à faire. Là, on peut pas ralentir. Voilà. Père, on voit rien du tout. Comment voulez-vous que j'y arrive? Non, mais, sérieusement, le jeu là, t'es pas sympa. Là. Voilà. Et comment voulez-vous que j'y arrive? Sérieusement. Voilà, bah la première mort, ça y est. Non mais attends, mais t'as vu le... En plus, je suis pas chaud. En plus, j'ai pas vérifié si l'enregistrement était bien lancé. 2 secondes. Non mais voilà, bon bah il fallait bien que ça arrive, hein. Première mort. Bon, je suis pas bon. Attends, mais comment veux-tu que je m'en sorte là? On voit rien. Ah non, mais bah, les effets de pluie, c'est une catastrophe. Là, je suis passé, vas-y. Dès le début d'épisode, c'est marrant parce qu'hier le jeu a été très gentil. Ils sont insupportables. C'est insupportable, mais 3 heures à se décider ce qu'il faut faire. Je fais ce que je peux, mon garçon, je fais ce que je peux. Pas tendu du tout hein, de faire ça en plein orage.
gonna get a strophe, can you find me? Which one, Tommy? The green one. There isn't a green one. Oh, is this a green one? Any of these wires look green to you? Oh, nothing gets in the cops, oh, he looks green. I should have dumped you a lot when I had the chance, man. Glory seeker. Capitalist! I've been carrying you for years. Shut up, you muppet. Big screaming girl. Aye, shut it and pull a wire. What do you want? Hein? This one. No. Man, we're okay. We ain't been blown up. Tommy, man, nice voilà. One. Rock and roll, man. And we gotta get people to. A racket to make. Groupies to abuse. Oh, fist. Oh, fist. Oh, fist. Have you finished with that ball? Bon bah voilà, deuxième échec et première mort. Mais bon, c'est vrai que ça m'a cueilli à froid là. Je commence l'épisode, boum, première mission, l'orage. Allez. Évidemment, maintenant il fait beau. Ah bah oui, maintenant que ça sert plus à rien. Après, ça me dérange pas de recommencer l'émission, du moins que c'est pas trop souvent et pas trop de fois. Et au départ, il y avait que 100 mètres à faire. Hein. Ça lag quand même un petit peu, hein, pas se mentir. Ce serait bien que je détruise pas la voiture maintenant que c'est désamorcé. Voilà, donc on aura terminé l'émission Love Fist également. Évidemment, c'est une playback. Hein. Insupportable. Hey, $8,000 quand même. $8,000, c'est bien. Ouais, donc voilà, on a terminé l'émission. Love Fist. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On va retourner voir notre ami cubain. On a pétrolette, tiens. Puis on va aller quand même aller rendre une petite visite à Tata Poulet à un moment donné. En fait, j'appréhende le moment de la mission avec l'avion télécommandé, hein, pour ne rien vous cacher. Bon, on fera bien l'affaire de toute façon. J'ai pas envie de passer tout un épisode dessus, quoi. Ah oui, il faut quand même qu'on commence à regarder ce qu'on peut acheter comme commerce également. Effectivement. Ça, c'était pas obligatoire. Bon, de nous remercier, on le laisse faire. Cher à canon.
Ah, il faut que je prenne un café, j'ai oublié d'en prendre un. Mince. Roberto, my son, what happened? Un grand problème. They messed with me. They messed with me for the last time. What is your problem? We'll take them out. Only we need some backup. I lost a few hermanos already out there. Amigo, you drive good. For a woman, right? This is no time for joking. Come on, drive for me again. Amigo, take my boys over there. If they mess with me, they mess with the biggest boy in town. Don't worry, man. Prends une bagnole et va chercher les cumins devant le café Robina. Bah vas-y. Eh hey, mais arrête-toi toi. Mais. Non mais. Regarde ça quand même. Si tu le dis. De toute façon, on est complètement dans la guerre des gangs entre Little Haiti et Little Havana. Hein. Haïtien et Cubain. Hein. Évidemment qu'on est sous nos gardes. Ça. Qu'est-ce qu'il fait lui? Oh oui, c'est juste un passant. Ah. Ah ouais, non mais c'est vraiment la guerre, hein, y a pas de souci. You step take out that cowardly you know sniper. D'accord, mais bon, moi comment je fais pour y aller? Attends, ils m'ont complètement... Mais attends, mais sérieusement, bah... Ouais, mais... Ils m'ont explosé. Ils m'ont explosé les pneus. Ah non, mais là, je vais exploser la camionnette, là. C'est dur. Mais j'ai plus de pneus. Non mais attends, mais sérieusement, et l'autre derrière qui me bloque exprès. Mais c'est impossible, attends, comment je vais faire? Je vais jamais y arriver. C'est pas trop trop loin, mais bon. Eh ben Léon. On peut continuer ou pas, non?
C'est mis dessus? C'est mis sur la zone? Ah non, c'est là-bas. Ouais, bon, on l'a eu, mais alors, Léon, c'était compliqué, hein. Bataille navale. Alberto, on au café, senor. Don't serve the snake in the trunk. Oula, il était nerveux, mec. Two-faced, Tommy. You're either two-faced or you're a wimp, baby boy. They're laughing at me. Easy, easy. What's your problem? They're laughing at me, Tommy, at me, Umberto Rubino. They're doing whatever they like. Nobody does whatever they like, Umberto. They do what you let them do. What? You want somebody taken care of? I can handle it, but it's going to cost you. I know we're brothers and all, but this is business. Tommy, you are a real man. Businessman, a gentleman. They have a load of product coming in offshore. Really good stuff. We take it, and we finish them. You take it, and I look after you. Like my brother. Like my son. Ne touche pas, s'il te plaît. Ouais. Exactement. Je retrouve un peu tendancieux, là. Hein. Le robinet, là. Retrouver Rico est très tendant. Codurant, rendez-vous. Ouais, non, là, je... Je pense qu'il me faut la vie à fond. On va aller chercher la petite protection rituelle. Bouge. J'arrive, hein, Rico. C'est pas pressé, j'espère. À faire ça, puis à... enfin, on va essayer, puis après on ira voir Tata Poulet quand même. Tata Poulet, tu parles d'un nom quand même. Ça manque la musique un peu, hein. Vraiment. Hein. Je me répète, mais. C'est un peu triste tout. Mais... Ça nous permettrait de passer le temps, quoi. Puis on serait un peu plus dans l'ambiance années 80, surtout. Tu vois, il n'y a pas grand chose à commenter, hein. Je vais juste me rendre sur la mission. Je vais commenter de moins en moins, parce que les missions vont être de plus en plus tendues. Dont celle-là. Hey Rico, nice boat. You ready? See Tommy, now you be a good shot today. My boat, she no good, full of holes, okay? Qu'est-ce qui s'est passé? Il y a eu un bug. Il a tiré, il a explosé Rico. Bon, on n'a rien vu, c'est comme si... T'as demandé rien. Attendez, comment je peux faire pour m'accroupir là, parce que je vais me faire exploser. D'accord, j'ai perdu quasiment toute ma vie là. C'est quand même bien. Hein. Quand même une super portée. Hein. Ça m'étonne tellement ça va loin. Pas d'accord. Ah si, oh, c'est incroyable. Par contre, je joue très très mal là parce que. Bien le fusil à pompe quand même. Il faut que j'arrive à retourner à...
Il va retourner dans le café là. Ah ouais, mais comment veux-tu? Comment veux-tu? J'y arrive. Là, j'ai vraiment. Qu'est-ce qu'il fait? Ah oui, j'ai. Ah oui, donc j'ai. Je dois avoir un pneu en moins. Oula, c'est explosé. Relève-toi, espèce d'idiot. Oh là 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 là, ça a été laborieux, hein. Et s'il te plaît, enlève-moi les indices. Voilà. Eh, on a bien dépassé les. Pourquoi on est là, nous? On a bien déplacé les. Dépassé les 100 000, là. On va faire le plein. Attendez, on en est où de l'épisode? Je dis pas de bêtises. Ouais, on est bien, on a du temps encore. Non, alors par contre, ce qui serait bien, c'est que j'évite de me faire tuer maintenant. On va retourner à la villa pour faire le plein, s'il vous plaît. Là, c'est grave. Dans ce sens-là, non? Je sais pas. Laborieux mais victorieux. Mais non, c'est pas là, qu'est-ce que je fais? C'est de l'autre côté. N'importe quoi. Ah oui, carrément. 1$. Ah ouais, si tu conduis sur deux routes, t'as du bonus. Je savais pas ça. Est-ce qu'on ferait pas une mission justement Tommy? Je me demande s'il en reste pas qu'une seule. Pour voir rendre la villa rentable. Puisqu'on est sur place. Hmm. Après, si je me souviens bien de la mission, elle est pénible parce qu'on est obligé de se coltiller Lens qui n'est pas le couteau le plus affûté du tiroir, en plus d'être assez relou et caractériel. Alors, voilà, on va la tenter, on va la tenter. On y arrive. Voilà. Copland. Quand un très bon film avec Sylvester Stallone. Après Demolition Man. And somebody tipped off the cops, but everything. What's the problem, apart. Fellas? Mike was supposed to torch some place in the mall, but he screwed the fuses, and now the cops are crawling all over it. We gotta get our stuff and get out of here. Relax, both of you. Let me think for a second. Tommy Vercetti just doesn't cut and run. The cops are gonna be going over that building with a fine-tooth comb, right? But that takes time. We gotta go in and torch that place ourselves. Yeah, but no one but a cop could get within a mile of that place. So we go as cops. We gotta get uniforms and we're gonna need a squad car. All thanks to you, Mike. I'm sorry. I got it. All we gotta do is lure the cops in with the finger, put them in a locker, and jump. Good plan. Let's go. All right. Okay, Lance, let's get the cops' attention. D'accord. Ouais, en plus, elle est assez longue parce que, ouais, il faut. Il faut attirer l'attention. Écraser des gens, ça peut être.
got them really irritated. You ain't looking at the girls, huh? Bah, c'est l'idée, hein, qu'ils soient fâchés. Il faut vraiment écraser beaucoup de personnes pour qu'ils commencent à s'énerver. Hein. Je ne vais pas dire, mais... Bon. Allez! On peut récupérer un peu d'argent comme ça. Bon, qu'est-ce qu'il vous faut pour que vous arriviez en fait? Attends, j'expose 3 voitures. Ah, j'ai plus de balles. Oh là là, ça va commencer à m'énerver. Bonjour madame, vous y tenez à votre tête ou pas? Voilà. Allez. Allez. Non mais attends, c'est une blague. Allez! Il faut jamais là quand on a besoin de la police. Voilà, allez. Les deux zigotos là, venez. Ah oui, d'accord. Comment je fais? Putain, mais ils sont pénibles. C'est bon là? Ah bon, quand même. Allez, on. Fits perfectly. Bit tight around the crotch, though. Yeah, yeah, mine too, mine too. Voilà. Ouais, pour pouvoir passer. La voiture est là. On va repasser. Allez, Lance. Parce que toi, t'es vraiment un boulet. Hein. Ouais, je m'en souviens, j'avais recommencé plein de fois à cause de lui. Parce que. Il suivait jamais quand. Jamais le mouvement. Désolé. Désolé, collègue. Désolé, désolé. J'avais pas fait exprès. Là-bas, ouais, pas terrible. Hein. Remember, smile at the other cops. Hey there, officer. Suis-moi, s'il te plaît. Nice badge. Real smooth, Lance. Okay, time sort de là. Calme-moi ça. Qu'est-ce qu'il fait, par exemple? C'est bon? Tu me suis? Parce que là, les policiers sont très méchants. J'aurais pas dû faire ça. J'aurais dû prendre une autre voiture parce que là... Oh là là, c'est tendu. Elle va exploser la voiture. Ah non, mais il y a 5 à 10, non, mais c'est mort. J'y arriverai pas. Ouais, non, j'ai mal joué. C'est pas moi le problème, c'est Lance. C'est pas moi le problème, c'est Lance.
Allez, Lance. Je joue mal. Ah, puis évidemment, non, mais évidemment, il y a vraiment. Ah, sinon, ce serait pas drôle, sinon. On est pas loin. Hein. Pas loin du tout. Et voilà, du premier coup. Émission de protection terminée. Boum, dans ta face. Et voilà, donc maintenant, voilà, c'est la deuxième phase du jeu. On peut récupérer de l'argent régulièrement. Après, ça culmine à 5 000 $, mais bon, on prend. Hein. Alors, est-ce qu'on a le temps de faire une dernière mission? Je regarde ça. Mais bien sûr, bien sûr, bien sûr. Donc, on va la faire. Oui, on va la faire. Ce que je ferais bien. Après, il fait un sale temps. Déjà, ce que je ferais bien, c'est. Ah! Tom, it's me, Lance. Keep your mouth shut there, Tom. Oh, il est reparti dans ses délires. I ain't interested in what you gotta say. Why should I be? You don't care about me, do you? You gotta look after me a bit better. Give me a. You know, hey, Tommy, man, look, hey, I'm sorry. It's just that people patronize me all my life, treat me like a little kid. My brother would do that. Please, man, don't do that. I gotta go. Pourquoi il se... On ne sait pas. Il s'énerve tout seul, il se fait des films. Ouais, non, on va faire le plein. On va faire le plein. Ouais, on va aller voir Tata Poulet quand même. Pour terminer l'épisode. Et puis après. Vas-y, au revoir. Oh, c'est pénible ce temps. Je crois à Liberty. Oula. Voilà. Quoique, je me pose la question. Est-ce que, parce qu'il y a quand même un petit peu d'argent, est-ce qu'on ne ferait pas un premier commerce, genre le chantier naval, parce que je crois qu'il y a juste... Il y a juste une... Ah, puis le temps s'éclaircit, ouais. Il y a juste une course de bateau à faire, donc... pour le rendre rentable, donc... et ça coûte pas cher. Ça rapporte pas beaucoup non plus, mais... Logiquement, ça coûte pas cher. Non, le plus cher, je crois que c'est le Malibu. J'achèterai en dernier. Voilà. Terminé comme ça, chantier naval. Alors évidemment, à chaque commerce, c'est une façade, hein, légale. Pour un commerce douteux. Hello. What it up? There's a dude here. Hey, suit dude. I guess you're the new owner. Yeah. Which one of the boats is the fastest? It's already in the water, dude. I thought you might want to try her out. Dude, she's already running with a 300 horsepower engine. And the fiberglass hull, she just shoots through the waves. She can do like 0 to 60 in 4 seconds flat, dude. And she can hold like 20 bales of the best Jamaican smoke right in the hull. So go ahead, dude. She's ready to fly. Yo, suit dude. You got a light? Dude.
Voilà, 10 000 dollars, ça va, c'est raisonnable. Bon, c'est celui de gauche ou de droite? Celui de droite, non? Ouais, il est plus rapide, lui. Ouais, c'est bon. Checkpoint Charlie. Ah ben non! Ah ben non, il y a le bug d'affichage. Oh non! Oh ouais, mais comment voulez-vous que j'y arrive? Oh non, mais c'est impossible. Je suis obligé d'être prudent, mais le problème, c'est que c'est chronométré. Je vais jamais y arriver, là, je suis trop lent. Ah, mais c'est impossible, attends, mais... Non, mais je vois rien. Ah, puis il y a des tremplins aussi, ah bah super. C'est un laborieux, je vais à 2 à l'heure. Non, mais je vais pas y arriver. Ouais. Voilà. Oh non, mais oh non, ça prend vraiment tout l'écran là, je vois rien du tout. Oh là 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 là. Je suis obligé de prendre des risques, de foncer, mais je vois rien. Non, mais je peux pas le faire. J'ai de la chance, c'est par là. Je vais pas retourner de l'autre côté. J'ai l'impression que c'est plus long que la première mission. Là. Ah oui. Non mais attends, je joue vraiment avec handicap là, ça va où? Par là. Ah c'est bon. Ah bah c'est bon, ça va. Bah elle est longue, j'ai joué avec handicap, hein. Ouais bah là, je vais retourner à la villa pour sauvegarder. Partir par le golf ou pas? Ou pas? On peut pas. Ça va me gaver. Mais si on peut. Allez, je suis sûr qu'on peut. Allez. Ah oui. Hop là. Bon, maintenant, faut. Faut retrouver. Trouver la villa. Par où? Par où? Non, je peux pas passer par là. Bon, attends. Non, mais... Ah oui, j'ai pas d'arme, j'allais leur tirer dessus, mais j'ai pas d'arme. Allez, dégagez. Ah, plus vite comme ça. Ça va, ouais, tu te calmes. Il est grand le golf, hein. C'est par là. Ah, il y a un gilet ici. Ah, je savais pas. Ok, bon à savoir. Je m'en rappelle par contre.
Pas par là, non? Comment je fais pour finir? Désolé, hein. Comment je fais? C'est super grand. Je vais m'en aller, en fait. Je vais juste m'en aller du golf. Où est la sortie? Ah non, il est là. C'est bon, je vois le pont, là. Ça doit être par là. Oh, c'est pénible, ce truc. Voilà. Les cours de tennis, c'est bon. Allez. Ah, c'est pas possible. Ouais, et puis demain, bah voilà, on fera les missions. Mission qui nous reste, Cuba, Haïti, là. À moins que on rachète encore des petits petits commerces. Pourquoi pas, pourquoi pas. Pas y arriver quand même. Voilà, on récupère l'argent comme ça, passer régulièrement. Bah c'est pareil quand il manquerait de l'argent pour acheter les derniers commerces, il faudrait peut-être en hors vidéo ça, parce que me voir tourner en rond dans Vice City, c'est peut-être pas passionnant, sûrement pas d'ailleurs. Très bien. Bon bah j'espère que ça vous a plu. On a bien avancé. Vraiment là on est bien dans le jeu. Et puis, ouais, donc déjà deux commerces qui sont rentables. Bon, je crois qu'il doit y en avoir 7 ou 8 hein, dans le jeu. On va tous les acheter de toute façon, donc à un moment donné. Mais bon, il faut quand même des fonds, hein, on n'a pas beaucoup. Là, bon, au fur et à mesure, hein, avec les rentrées d'argent des premiers commerces, ça va bien se goupiller. Portez-vous bien, et à demain pour la suite. Ciao !